Pour vous permettre de comprendre comment fonctionne notre prépa à l'aide de vidéos et de visioconférences, des directs, nous avons tout simplement élaboré le projet qui consiste à vous montrer les différents supports à partir d'extraits. Donc, premier extrait, premier support, les tests psychotechniques. Nous avons choisi volontairement les suites. Alors, pourquoi les suites? Eh bien, tout simplement parce que les suites représentent le test emblématique, c'est-à-dire le test le plus courant et le plus présent à l'intérieur donc du concours infirmier. La raison est simple. Premièrement, il s'agit non pas d'une suite, mais de 5 différentes suites, puisque nous avons les suites numériques de K6 suite, les suites alphanumériques 2B, 4C, les suites alphabétiques A, D, B, E, et les dominos qui, en fait, sont des suites à 2 étages, en boucle, illustrées, et donc des suites à part entière, et les cartes à jouer. Les cartes à jouer avec, évidemment, l'alternance couleur noir-rouge, mais tous les exemples que je viens de citer correspondent donc à 22 typologies de suites. Je dis bien 22. Nous allons voir donc un extrait de quelques exercices, mais je le répète, il s'agit d'un extrait puisque la formation donc intégrale correspond à plus de 6 heures. Donc pendant 6 heures, je vous explique les différentes typologies de suites, progressive simple, progressive accélérée, avec rang, avec calcul binaire, combinaison progressive, puisque vous l'avez compris, le meilleur moyen de trouver la réponse donc à une question au concours, c'est de maîtriser les différentes typologies. Il est plus facile en effet de trouver lorsque l'on sait ce que l'on cherche. C'est très simple, il faut tout simplement anticiper et maîtriser, je dis bien maîtriser ces différentes typologies, qu'il s'agisse des suites numériques ou, comme je l'indiquais précédemment, des cartes à jouer qui sont évidemment des suites classiques. La preuve, vous avez donc 6 typologies de cartes à jouer. On retrouve donc la dimension croissante-décroissante avec la symétrie, l'alternance noir-rouge et le rang, puisqu'il faut connaître à minima, n'est-ce pas, le fait que l'as est avant le roi, qui lui-même est avant la reine. Attention, les valeurs concernant les cartes en rapport avec le poker, la belote, etc., ne rentrent pas en ligne de compte. Ici, elles n'ont pas de valeur en soi, mais simplement le rang et la place au regard donc de la suite as, roi, dame, valet, etc. Donc voici un exemple, je dirais très très simple. Vous avez donc 3 réponses et bien évidemment, dans le cas présent, nous sommes confrontés à une suite à 2 étages en diagonale alternée, puisque pour passer du 10 à la dame, il manque le valet. Pour passer de la dame au roi, il manque au l'as, pardon. Pour passer de la dame à l'as, il manque le roi. Et nous avons ici la diagonale 5-5. Et la réponse, évidemment, est le 5 de cœur. Le faux ami, ce qu'on appelle le faux ami, c'est la réponse qui paraît la bonne, mais qui n'est pas la bonne. Évidemment, c'est le roi de trèfle, avec la proximité As-Dame. Donc nous sommes véritablement dans une configuration en diagonale et la réponse est le 5 de cœur. Les dominos fonctionnent de la même manière, également avec les diagonales, et nous verrons bien évidemment à partir d'une vidéo spéciale domino les suites alternées en diagonale, en boucle, puisque c'est la particularité des dominos, avec les formules et la typologie des 2 étages. Exemple ici relativement simple, donc nous avons une identité très simple à comprendre, à savoir le passage donc du 1 au 3, n'est-ce pas? Ici, idem, avec l'identité donc 3-2, 3-4. Donc, la lecture que nous faisons de ces différents exercices est, je dirais, une lecture qui est la suivante, à savoir, on vous donne l'exercice et ensuite vous trouvez la solution. Il s'agit, dans un premier temps, véritablement d'identifier les différentes typologies de tests, je dis bien les différentes typologies, ensuite on dégage certaines méthodologies, au total, je dis bien au total, cela représente 22 types de suites à identifier. Je dis bien 22 types de suites. 22 qu'il faut connaître, non pas par cœur, mais je dirais être familiarisé. Donc exemple, la suite de Fibonacci, pardon, le mathématicien italien du XIIe siècle. Donc c'est une suite que l'on retrouve dans divers concours qui fonctionne donc d'une manière assez simple. Je vous laisse quelques minutes pour trouver la solution. Donc un grand classique, il s'agit d'additionner 0 et 1 pour avoir 1, additionner ici 1 et 2 pour avoir 3, 3 et 2 pour avoir 5, 3 et 5 pour avoir 8, donc réponse bien évidemment 34. Un autre classique, puisqu'il s'agit de vous montrer comment ces vidéos fonctionnent, on vous donne l'exercice, ensuite il y a l'explication et enfin la synthèse, et donc nous avons décidé évidemment de vous confronter à des exercices relativement simples, mais des exercices récurrents que l'on trouve, donc comme je vous l'ai indiqué, dans un assez grand nombre de concours. Donc là, nous avons le calcul par le nombre de lettres, 3 lettres, 5, 4 lettres, 4, 3 lettres, 3. Donc la réponse, bien évidemment, est 3. Ces suites, ce qu'on appelle les suites alpha numériques, sont relativement simples et ce sont toujours les mêmes en fait. Donc c'est l'avantage des tests psychotechniques pour dégager les automatismes. Il s'agit de vous familiariser, voire de les connaître par cœur, et alors vous les repérerez, puisque celle-ci, une fois que vous l'avez fait une fois et vous l'avez bien repéré, vous savez que 42 s'écrit avec un Q, 42, donc Q. 225, lettre D, 225, 149, lettre C, donc ici 180, donc la réponse est C, puisque pour écrire 180, vous allez évidemment utiliser la lettre C en premier. Voilà. Allez, je vous laisse quelques secondes. C'est incontestablement, je dirais, le plus grand des classiques au niveau des suites, d'où la nécessité, bien évidemment, de la connaître. Il vous suffit tout simplement de rajouter 8, ensuite 7, ensuite 6, 5, donc c'est dégressif, et donc au final, il vous faudra ajouter 2, puisque précédemment, nous avons ajouté 3. Donc c'est un grand classique, facile à repérer, mais comme je vous l'ai indiqué, pour la repérer, il faut la connaître, et donc c'est notre but que de vous confronter à des exercices de ce type en batterie. C'est à vous. Bien évidemment, les tests, on peut les lire de différentes manières, aucun rapport entre 431 et 62, c'est en quelque sorte le piège. Ici, il faut additionner 4, 3 et 1 pour avoir 8, 6 et 2, 8, 5 et 2, 7 et 1, 8, 5 et 3, 8. Donc la somme doit faire 8, réponse bien évidemment 1. C'est à vous. Donc là, je vous donne des exercices, évidemment, je ne suis pas en temps réel, puisque dans les vidéos de formation, dans les 120 heures, qu'il s'agisse des tests, de l'oral ou de la culture générale, donc là, nous sommes présents, nous sommes confrontés donc à un test avec exercice. Bien évidemment, durant ces vidéos, nous vous laissons plus de temps. Là, il s'agit simplement que vous compreniez un peu comment cela fonctionne. Je vous laisse quelques secondes pour vous mesurez à ce test qui est un peu plus délicat, dirons-nous. Il faut, dans le cas présent, et c'est le conseil que, évidemment, nous vous donnons, lorsque vous êtes confronté à une suite alpha numérique, donc Il faut dissocier l'élément numérique des lettres et trouver le chaînon manquant. Le chaînon manquant ici est, je dirais, flagrant, puisque 14, 21, 28, nous avons plus 7. La lettre, c'est toujours le même cas. Je dirais que dans tous les tests alphanumériques, vous avez une progression avec lettre manquante ou deux lettres manquantes, progressive ou dégressive. Donc je répète, progression donc, de l'alphabet avec lettre manquante ou pas. Donc là, vous pouvez constater qu'il y a deux lettres manquantes systématiquement entre le K et le N. Donc idem, il nous manque donc deux lettres pour aller du N au Q. Et donc ici, vous appliquez la règle, il manque RS, deux lettres, RST. Le conseil que nous donnons à tous nos participants est sur votre brouillon, dès l'instant où vous commencez à traiter des suites alphanumériques, et de coucher, de noter tout simplement l'alphabet, donc de gauche à droite, voire numéroter, puisque dans certains tests, on va vous demander le rang, la place des lettres, et vous verrez que ce petit indicateur, vous avez tout à fait le droit donc de le noter par vous-même sur un brouillon, vous facilitera énormément la lecture donc, et la compréhension des différents tests. C'est à vous, je vous laisse quelques secondes. Il existe une multitude de tests alphanumériques et je le répète et je le rappelle, vous avez en fait 12 typologies. Il n'y a pas 13, il y en a 12. Celle-ci fait partie des 12. Elle est, je dirais, relativement simple, puisque la lettre, la première lettre ici, correspond, c'est ce que je vous indiquais précédemment, donc au rang dans l'alphabet. A, B, C, troisième lettre, 3. A, B, C, D, E, cinquième lettre, 5. D, 4. Donc 4, ici. Dieu et carte, donc C, et la troisième lettre, donc la réponse est 3. Vous voyez que ces tests sont simples et qu'il suffit de les commenter, de les expliquer une fois pour savoir évidemment les repérer et c'est ce que nous évidemment nous vous souhaitons puisque avec nos exercices en bataille, puisque à partir de 120 heures de vidéo vous avez des exercices qu'il s'agit le fait de trouver des solutions concernant les tests ou des problématiques à l'oral, où nous vous donnons des sujets et vous trouvez la problématique où nous simulons les 10 minutes de préparation. Donc, ces vidéos sont interactives et je le répète, donc vous pouvez appuyer sur pause et écouter la solution et l'analyse. En ce qui concerne ce test, donc il est également relativement connu et on le trouve dans une multitude de sujets d'anal. Il s'agit tout simplement du rang au niveau de l'alphabet. La plupart des tests alpha numériques fonctionnent de cette manière. Donc A1, pourquoi? Tout simplement, lettre, première lettre d'alphabet, A, et si vous faites évidemment le rapport avec les différents rangs, vous aurez le mot tout simplement amour. C'est à vous. Au concours, ne cherchez pas des correspondances entre les chiffres et les lettres, autre que le nombre de lettres. Je dis bien, dans 99% des cas, la solution concerne un calcul de lettres. Donc, dans le cas présent, nous avons le nombre de lettres, philosophie, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettres. Et 7. 7, c'est tout simplement le nombre des lettres qui ne sont pas répétées. C'est beaucoup plus simple avec homme. Homme, vous avez 2 M. Donc, le M compte uniquement pour une lettre. il faut le savoir et il faut bien évidemment prendre le soin de travailler et de comprendre ce test, et le jour où vous serez confronté donc à ce test, eh bien vous trouverez la solution avec beaucoup plus de facilité. C'est à vous. Le test suivant vous a mis sur la voie, sauf que dans le cas présent, il s'agit du calcul par le nombre de voyelles. Donc jupon UO, 2 voyelles. Donc, il s'agissait simplement de vous montrer en quelques diapos comment nous vous formons au concours infirmier. Donc je le répète, tous les tests emblématiques font l'objet de vidéos de 1 heure à 2 heures avec la synthèse de toutes les catégories classifiées et expliquées avec ensuite certaines méthodes qui sont donc mises en avant et des exercices donc en batterie. Je vous ai laissé quelques secondes pour trouver les solutions. À l'intérieur de nos vidéos, vous avez systématiquement 1 minute donc pour répondre. Donc, qu'il s'agisse des suites numériques, des dominos, des masterminds, également de l'aptitude verbale, puisque au niveau de l'aptitude verbale, qui est, je dirais, le test le plus présent également, il n'y a pas de concours infirmier sans aptitude verbale, eh bien, nous avons fait ce travail pour localiser 12 typologies donc, de tests, et également pour les mathématiques, on repère donc 14 chapitres. Voilà, donc l'ensemble mathématiques, tests physico-techniques représentent donc un peu plus de 28 heures au total. Donc aptitude verbale, numérique, logique, etc. Vous pouvez donc vous abonner soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est le streaming, ça c'est l'aspect, je dirais, purement connexion, c'est-à-dire utiliser les ressources. À l'issue donc de cette formation concernant les tests psychotechniques, vous avez un concours blanc en donc situation avec temps limité, et donc le système a été paramétré de telle manière à énoncer donc à vous donner un niveau à partir de 3 niveaux, et donc cela vous permet tout simplement eh bien de parfaire vos connaissances. Ce parcours qui peut être fait en 1 ou 3 mois. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur www.visioprepa.fr.